faites exploser les boyaux secondaires qui vous amènent pas vers les cris. Alors je propose en fait qu'il... Ouais. Je propose plutôt qu'il que frère... Il semble éloigné. Je préfère... propose plutôt que frère Tavius utilise son marteau pour faire effondrer juste le bout des tunnels. Ok. Marteau énergétique. Je dois pouvoir avec un marteau énergétique effectivement s'il y a des étais. Tu les déglingues. Identifier à peu près ce qui est. Tu pètes un peu au-dessus ou s'il y en a qui sont proches, tu pètes la colonne entre les deux et comme ça bouche le bout et comme ça si on veut passer. C'est pas un éventuel rocher détaché qui va vous faire bien mal. Oui voilà. Ouais. Ok, on pourra toujours réouvrir derrière, mais il vaut mieux garder nos explosifs si on veut tout faire péter à la fin. Certes. Ok, donc vous sabotez les couloirs secondaires. Mm-hmm. Pas de soucis. Qu'est-ce que vous faites ensuite ? On prend le passage principal qui va vers l'origine des hurlements. Très bien, et bien écoutez, vous continuez donc vous redirigez vers la gauche, mm-hmm. suivant ce boyau principal. Et vous continuez votre progression. Je vais faire l'arrière-garde cette fois parce que vu que c'est beaucoup d'insectes, moi je servirai pas à grand chose. Velvan en tête. Mmh. Très bien. J'avance. Vous avancez. Vous avancez pour découvrir une réalité simple. La zone est complètement corrompue par le chaos. Vous la sentez de là où vous êtes, cette corruption. Et au fur et à mesure, vous comprenez également que l'artefact ne doit pas être très loin. Suffisamment rapidement pour que vous soyez assez certain d'une chose. Il y a quelqu'un qui sait ce qu'est cet artefact ici. Tout simplement parce que les signes cabalistiques se multiplient alors que vous avancez. Tous un jet de force mentale. C'est un échec. Bon pour moi. C'est bon. Issacar qui réussit quoi. Velvan, Tavius. Personne n'y croit. Mais ouais. Velvan, Tavius, les murmures commencent aussi à vous atteindre. Ah. Mais il y a plus les haut-parleurs. Ah super. Signe de corruption. Je les entends aussi. Je vais vous taper vaillamment sur le dos. Ah, je vais vous faire comprendre que ça va aller. La situation est sous contrôle. Avançons plus rapidement. Dépêchons-nous. Très bien. Bon, bah, vous accélérez le rythme. Ouais. Je vais doubler la cadence. On peut foncer au pire. Oui, de toute façon, on va à ce niveau-là. On va lancer la 5e, on va partir à 80 km/h dans les tuyaux, c'est pas grave. Hein, c'est... On s'arrête pas. C'est le flammeur en avant. 4 blindés hein, qui courent à travers le couloir. Extraordinairement stabilisé, tu vois. Ah oui, mais c'est ça, les bras ne bougent pas, mon gars. Vous êtes les combattants parfaits, hein, le truc, la visée, elle est... Vous arrivez dans un immense espace. Je m'arrête à l'entrée. Je me mets en position à côté de lui. Vous êtes dans ni plus ni moins qu'un temple. Ah. Ah. C'est ouvragé. C'est travaillé. C'est pas des mineurs qui l'ont fait. Mais vous comprenez que le boyau a percé ici. D'accord. Oui. C'est un vieux temple du chaos et les mineurs ils sont tombés dessus. Okay. Inquisiteur, vous me recevez ? Non. C'est la merde. Toujours rien. Pas de panique, mon frère, trouvé... nous allons y arriver. L'empereur est avec nous. Nous avons trouvé la source de cette corruption. Il ne nous reste plus qu'à la détruire. Purifions, mes frères. J'observe autour dans le plafond. Temple et tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui a l'air de bouger, qui a l'air d'être organique? Tu observes autour de toi, tu cherches du regard et tu ne manques pas d'apercevoir quelque chose. Probablement d'anciens prisonniers, il fut un temps. Ils sont déformés, couverts de plaies, de bubons,
et surtout, surtout, attachés, comme des animaux avec des gros colliers, à un pylône. Sacrifice en cours. Mais ils sont au sol ou ils sont dans les airs? Ils sont surélevés. D'accord, ok. Ouais. Et la colonne, elle est haute, est très très haute, ou c'est une colonne Elle fait 5-6 mètres. Ah oui, d'accord. Oh. Oui, donc ils sont pas nombreux. Non. À bout de bras. Alors, en revanche, vous entendez très vite une voix. Outre les des victimes. Évidemment. Ainsi donc, les serviteurs du dieu cadavre viennent tenter leur chance. Il est peut-être l'heure d'ouvrir les yeux, mes frères. Savez-vous ce que l'inquisiteur vous a envoyé faire, à part mourir? Il continue sur le hus. Question MJ. Si nous, on bute les personnes sur le pilier, est-ce que ça compte comme des sacrifices? T'es spécialisé en invocation de démons. Non, normalement, si c'est une orgueule et que je les crame, ça lui fait pas plaisir, tu vois, ça devrait pas rentrer en compte. Bah, parce que tu tues la vie. Parce qu'ils sont contaminés, donc on crame, L'orgueule, c'est la non-mort, hein, c'est la vie, oui, c'est la non-mort. C'est pas cette discussion philosophique. Le cramage de tronche. Hein, donc là, vous avez. Mais la voix qui continue son blabla, et les 4 Space Marines sont là. Techniquement, ça fait quoi si je les crame? Je suis pas certain. Frère Valvan. Il faut abattre le pilier. Mes frères. Qui parle? Laissez-moi faire. Et je vais aller vers le pilier pour arracher en fait les chaînes, tout simplement. Attends. Oh merde. Mais non, ils sont couverts de bubons et tout, ils sont contaminés. Je leur tiens. Oui, mais si je casse les chaînes, ça, c'est plus relié au pylône. Mais non, je leur tiens, avant qu'il y aille, ce con. Vas-y, essaie de le retenir, hein, faites-moi. Mais non, je vais pas le plaquer, mais je lui pose la main sur l'épaule, j'ai juste un instant, et je vais juste regarder d'où vient la voix, qui parle. Est-ce que c'est un putain de connard de la Death Guard, ou si c'est un garde impérial qui a tourné sa veste? J'attends alors. Donc là, tu sens qu'on t'accroche. Et vous avez donc frère Velvan qui est quand même pas confiant sur le fait qu'il sait pas d'où vient cette voix. Mais oui. Parce qu'elle résonne bien dans le temple. Hein. D'accord. Donc on n'a pas de visu sur le gars. Non. Très bien. Oui, ne partez pas tout seul, frère Issachar. Nous avançons en groupe. Eh ben venez. Allons-y. Je vais surveiller l'entrée du temple. Faites attention au flanc. Du coup, moi, je pointe mon bolter lourd sur l'entrée du temple et je surveille le temple. Sur l'extérieur, et... donc sur le boyau. Vous ah oui, non, on est à l'intérieur. Ah non, c'est toute la pièce en fait qui est un temple. C'est ça? Oui, c'est toute la pièce. J'imagine un espace ouvert avec un temple au centre, c'est pour ça que. Non, c'est vraiment la pièce étant. Ah bah non, bah du coup j'avance normalement. Excusez-moi. Issachar, tu mets ton plan d'exécution, tu arraches les chaînes. Arracher les chaînes et comme ça les. Personne en triple guillemets, vivante en triple guillemets, ne sont pas mortes en triple guillemets. Vous voyez, Sagar qui fait de la théorie démoniaque assez travaillée. Il arrache les chaînes. Cette logique est indiscutable. Les trucs, c'est même plus. Ça communique plus, hein. C'est. Ouais. Eh bien. Allons. Je vous trouve plus délicat qu'à l'accoutumée. Avec ceux qui ne sont pas comme vous. Ah bah de toute façon, une fois qu'ils sont décrochés, on les éclate, on est d'accord. Oui, j'ai compris. Bah, à vrai du coup, au moment où il dit ça, en fait, on fait... Moi, ce qui m'intéresse... Je vais détacher, je vais passer un coup de lance-flamme sur les mecs, tu vois. C'est... Techniquement, moi, j'aimerais bien me rapprocher du pilier. Et je voudrais voir si je peux l'abattre. Tu as tapé un grand coup de Tomar à la base après, du pilier pour le faire. Tu vas faire s'effondrer le temple sur nos gueules. Hein, non, il fait 5 mètres. Pourquoi il soutient rien. Pour moi, il soutient rien. C'est juste un pilier et ils sont attachés avec des chaînes au pilier. Ah, c'est ça. Donc mais pour mais moi, il fait partie du rituel. Toi, c'est peut-être comme un hôtel ou un truc comme ça. Certes, on a pété les chaînes, mais. Moi, cette merde. Petit jet de force pour me l'éclater. Allez. Ça économisera un explosif. Et non. Bah alors. C'est trop dur. C'est solide quand même. Est-ce que ça fait résonner mon marteau dans mon bras, tu sais. Vous voyez votre frère qui est là.
Frère Tavius, c'est douloureux. Je te tends une charge explosive. Ça marche aussi. Je regarde si je peux la mettre au bout de mon marteau. Non, non, ça marche pas. Ça, bon, alors du coup, vu que je le vois essayer de le mettre à son, je mets la charge au pied de la colonne, là où il a tapé, là où c'est déjà fragile. Mais tu trouves ça presque bizarre, Adix. Tu trouves le comportement de tout le monde est anormal. Entre Issachar qui se comporte de plus en plus comme un animal, frère Tavius qui a des idées à la con, il voulait foutre une charge explosive, c'est pas trop. Il avait l'air comme un débile à la regarder. Enfin, tu trouves vraiment que c'est bizarre. Ça va, moi, j'ai rien fait, moi, laissez-moi tranquille. Toi, t'es presque sûr qu'il souriait quand il cramait les gens. Alors, c'est faux, c'est mais faux. Tu peux pas le voir. Je sais, mais je mets la charge on et je... fais ça par bonté. Je mets la charge et l'envie de reculer. Oui, oui. Très bien. Oui, ah, ouais, bah ouais. Vous faites péter... Je recule, effectivement. J'imagine que vous restez pas à côté. Je me redresse, je regarde le pilier un tout petit peu, je regarde ce qu'il y a dessus. C'est bourré de symboles cabalistiques chaotiques. Oui, de oui, c'est tout gravé de ça. De symboles. Je recule à bonne distance et je fais péter le pilier. En reculant, je ramasse une chaîne pour mon usage personnel. Très bien. Les autres, vous le remarquez, hein, il prend une chaîne, il la regarde. Ouais, puis, c'est noté, ouais, c'est bien noté, ouais. Le pylône s'effondre. Ça empêche pas le gars de continuer à parler. Je me disais bien aussi. Frère Issachar. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Avançons, mes frères. Oui, frère Tavius. Posez cette chaîne. Elle est teintée de la corruption du chaos. Pourquoi veut-il que tu la poses, Issachar? Il ne te fait pas confiance, crois-tu? Qu'il le ferait en même temps, chien d'un inquisiteur. Je vais faire un nœud à la chaîne et je vais la lancer le plus loin possible dans le temple pour voir si ça résonne bien, si y a quelque chose qui se produit. Cling, ça rebondit plusieurs fois au sol, sans effet. Y a pas une réaction. Et je ne réponds pas. Petit jet de force mentale, Issachar. Oh merde. Ouais, t'es obligé de le buter. Non, ah bah non, regarde. T'es sous contrôle, mes frères. Tu te recadres, tu récites un psaume et... Et oui, ça t'éclaircit l'esprit. Votre loyauté n'a jamais été remise en question, frère Issachar. Je le sais. Il serait temps de se montrer blasphémateur. Avançons. Ou tenez-vous à rester dans l'ombre. Tels les dieux que vous servez. Avez-vous si peur de la lumière de l'empereur? Lumière bien blafarde d'un cadavre. Frère Velvan, ne perds pas ton temps. Avançons et trouvons-le. Très bien. Vous continuez votre progression. Et vous comprenez assez vite que s'il y a quelqu'un, il est derrière une sorte d'hôtel à l'extrémité du temple. Un hôtel comme une table ou un grand hôtel? Un grand hôtel. Ouais. Juste comme ça, d'un simple coup d'œil, il faudrait combien de charges pour faire sauter, forcer fondre le temple? Avec votre matériel lourd, vous en foutez 4-5, vous faites tout péter. Ok. Ça reste une grotte. Ouais. Si ça éclate, si les murs qui la soutiennent éclatent, ça s'effondre complètement. Très bien. L'hôtel, si je tire dessus avec mon bolter lourd, est-ce que je vais pouvoir passer au travers, par exemple? Oui, probablement. Mais j'ai donné quelques coups. J'en ai une rafale un peu au centre pour... Tu creuses bien des trous dedans. Et... Vous entendez à nouveau la voix. Imbécile. Qu'est-ce que vous avez fait? Je redonne un coup.
petite rafale. ta traduction, t'as moi, quand j'ai les mots clés, tu commences à rafaler cet hôtel. Vous le voyez, il balance peut-être 100 munitions. D'accord. Je dépense pas tout non plus dessus. Hein. Non, j'en garde s'il y a. Ça distribue bien. Frère Adix. Vous n'entendez plus la voix. Oui, frère Tavius. Oui, frère Delvan, pardon. Je pense que il aura du mal à blasphémer désormais. Ça ira. Allons nous en assurer, mon frère. Nous œuvrons pour l'empereur sur son trône d'or. Vous avez raison, mon frère. La lumière de l'humanité. Que sa lumière nous guide. On va les checker, hein. On avance. Ouais, voilà. Ce qui reste. Bien jeté un œil. Voilà. On crame le reste, on fait péter le temple. Je fais très attention à ce qui se passe sur les bords de la salle, s'il n'y a pas autre chose qui peut nous tomber dessus. Mm-hmm. Derrière l'hôtel, bonne nouvelle. Celui qui était probablement l'auteur de la voix est déchiqueté en plusieurs morceaux. Très bien. Moins bonne nouvelle. Son bras est relié à une chaîne. Qui amène un poteau relié à l'hôtel. Merde. En jeu. Tu peux le dire. Et avec ce cadavre se trouve tout le plot et les explications. En même temps, ce ne serait pas des vrais Space Marines s'il avait besoin d'explications. C'est vrai, donc, c'est vrai. On n'allait pas lui poser des questions, hein, de toute façon. Non. Au final. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il a un objet sur lui ? Posé pas loin. Oui ! Est-ce que le caillou s'était envolé ? Il tenait quelque chose. Enfin, maintenant, il y a trois doigts qui tiennent encore quelque chose. D'accord. Je m'approche. Ça correspond probablement à la fameuse pierre dont vous ont parlé les survivants plus tôt. Ok. On a prévu un truc pour transporter cette chaotique ou... Vous n'avez pas prévu de quoi la transporter, disons. Ah. Vous avez prévu de quoi la détruire. Ah, voilà. Très bien. Bah, détruisons. Qu'est-ce qu'on utilise ? Vous avez un joli coffre exprès. Ouais. Dans lequel vous pouvez l'insérer. Ouais. Et le barder d'explosifs. La subtilité faite par l'inquisiteur. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a une pince pour prendre le truc et le mettre dans la boîte? Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour ne pas la toucher. Très bien. On déploie le coffre. J'enfile mon gantelet. J'active tous les explosifs en attendant qu'il le ramène, le bordel. Hop, j'active tout. Je lance. Je fais gaffe aux alentours. Ouais. Pareil. Allez-y, frère Tadius. Je prends avec mon gantelet de protection le truc et je le pose dans le coffret en plomb. Je referme. Vous fermez toutes les sécurités. Vous sentez que c'est quelque chose de dangereux. Vous voyez tout le monde qui est beaucoup plus précautionneux, beaucoup plus prudent sur la façon dont il procède. Le cerclage d'explosifs est activé. Je mets le truc contre l'hôtel. Tant qu'à faire, il y avait bien je vais le poser près d'un mur, juste à côté, un mur porteur, histoire qu'on fasse une pierre deux coups, tu vois. Mmh. Très bien. Je le place. Je file une charge à Thaddeus et à Adix. Ok. Et je garde une charge pour moi et on va se répartir le reste. Et Issachar. Vous distribuez différents endroits de la grotte. Ouais. C'est ça. Voilà. On va chacun poser sur un pilier. Tout est activé. Et on se retrouve à la sortie. Ouais. Sinon, il n'y a pas d'autre couloir qui sort du temple. Non, c'était une extrémité. Pendant qu'on faisait, qu'on mettait les explosifs, je vais arracher toutes les chaînes dans le doute. Les enlever les pylônes. Et les emporter avec moi. Non. Issachar. Qu'est-ce qu'on a dit, putain. Issachar se dit que peut-être, on sait jamais, même une grosse explosion, ça fait quand même du dégât. Il faudrait pas qu'il y ait du sang qui retombe sur les chaînes. Et les arrache. Pour moi, c'est lié à ça. Mais j'imagine, vous voyez, c'est méthodique. Hein. Il va toutes les choper, il les déchiquette, il les balance. Dans sa cabine, sur le vaisseau, il a tout. Il ramène toujours une petite breloque de chaque mission. Ça plaît pas trop à l'inquisiteur, d'ailleurs. Oui.
Il a une pièce, c'est que des trucs chaotiques. C'est drôle, là, non. Ça le fait beaucoup marrer. Non. Tout est prêt. Vous êtes à l'extérieur. Que faites-vous? Je mets un petit minuteur, genre 10 minutes. Oh, très bien. Même pas. Oui, c'est vrai qu'on. On court, quoi, hein. 2 minutes 30. 2 minutes 30, c'est pas mal. 2 minutes 30. Voilà. Un œuf à la coque. Attention. Début du minuteur. Qu'est-ce que vous faites? Cours. On casse. Bah, on court. Je repasse devant, flamer à la main, et on part, bah, tu sais, en cinquième. Très bien. Donc là, vous foncez, hein, vraiment machine véhiculée. Vous traversez les couloirs, il vous faut même pas une minute pour vous retrouver à la sortie de la mine. Même si j'ai pas de réponse, j'envoie un message au vaisseau pour dire explosif en position 2 minutes 30. Excellent. Mais du coup, je lui demande juste s'il a. Nous avons perdu la connexion avec vous, Inquisiteur, avez-vous tout suivi? Non. Où en est la situation? Nous avons trouvé un temple chaotique, les mineurs sont tombés dessus en extrayant dans la planète. Il y avait des poteaux sacrificiels et un agent du chaos. Et il avait la pierre. Qu'en est-il de l'artefact? Nous l'avons mis dans le coffret. Tout va être dans une minute. Destruction dans une minute du coffret et de tout le temple. Excellent. Nous remontons. Noté. Inquisiteur, qu'en était-il du signal que vous avez pu remonter l'origine? Il vient de la base. Il doit correspondre à ce que nous connaissons comme étant le réfectoire du personnel. Est-ce que nous devons faire un tour par le réfectoire du personnel? Procédez. Bien reçu. On court. Je regarde Sadius et Issachar. Issachar est déjà parti. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est bien son genre. S'il a pas vu la partie du combat, on lui explique aussi, bien sûr. Oui, vous faites le rapport détaillé pour faire. En non. Courant. Mais tu sais, Space Marine, hein, tu peux y aller en cours. Tu peux faire un marathon. Oui. Là, tu parles. Oui. Le cardio il est bon. Hein, ah oui, non, mais le marathon, c'est l'affaire de. C'est facile. Le marathon, c'est l'affaire de 10 minutes. Le sacrifice n'a pas été suffisant pour procéder à l'invocation. Frère Issachar, vous avez bien fait. Les chaînes auraient pu permettre de relier le sacrifice. Je me tourne lentement vers les autres pour leur faire comprendre que... Ouais. Je ne réponds rien d'autre. Telle était ma mission. Devant vous, frère Issachar, alors qu'il se prend un coin de mur, il arrache. Il arrache 30 de béton. Qui passe à travers. C'est ça. Il se retrouve dans la galerie à côté. Les effets débilitants de l'artefact ne semble pas vous avoir atteint. Votre comportement a été exemplaire. Et à ce moment-là... Nous servons l'empereur. Vous êtes à quelques secondes de l'explosion, effectivement. Que faites-vous? On court. Bah, le réfectoire, vous partez, c'est pas réfectoire, c'est à côté, en plus. On remonte au réfectoire. En plus, c'est vers la sortie. Vous vous dirigez vers le réfectoire. Derrière vous, une énorme explosion fait trembler tout l'édifice. Vous courez vers le réfectoire. La porte est fermée. Et vous comprenez rapidement qu'on a accumulé du bordel derrière. Des pôles, hein. Il arrive à Mach 5 dedans, hein, en fait. Des boulets de canon. moi c'est bouclier devant, tu vois. C'est ça, personnellement j'imagine pas les deux gros bourrins freiner, en fait. je fais bélier sur la porte. Et les trucs accumulés derrière, ça va faire pouf. Les meubles accumulés sont projetés dans le reste de la pièce quand vous ouvrez. Et le pauvre gars derrière ne bouge même pas, puisque vous constatez que ce pauvre type est à moitié collé au mur et au sol, hein, avec une forme presque de champignon, hein, qui ne fait plus qu'un avec son corps. Oh, je le crame instantanément. Y a pas de chaîne? Oui, y a-t-il une chaîne? Oui, il y a une chaîne. Eh bien, excellente question, il y en a une. Vous la distinguez, effectivement, après avoir plus regardé la situation. Je t'en prie. Je regarde droit dans les yeux l'homme champignon et j'arrache la chaîne
pendant que j'entends derrière, je pense, le lance-flamme se préparer. C'est ça, ouais. J'entends ça. Tu fous le feu à la chose. Ah ouais. Enfin, cri, mais t'es même pas de cri, hein, c'est fou. Ah, je mets double dose, hein. Ah oui, la psychique, il en reste encore un petit peu, il touche, c'est plus sûr. Voilà. Et je remonte la chaîne pour voir où ça va. Très vite, tu finis par atteindre l'extrémité qui s'enfonce dans le mur. Fartavius, ce mur nous attend. Il est un obstacle à la volonté de l'empereur. Il n'est pas un obstacle très longtemps à la volonté de l'empereur. On a vu, on l'a connu pire, hein. Il était effectivement maçonné de façon plus récente. Et derrière, tout simplement, vous trouvez un pilier. Ah. Je donne une charge extérieure dans la prison. C'est la dernière. Très bien. Je la pose au pied et on recule. L'explosion se fait entendre et le pilier s'effondre. Il n'y avait pas d'autre chaîne de toute façon accrochée. Il n'y avait pas d'autre chaîne. On va quitter les lieux. En passant, je voudrais vérifier le baraquement qui est juste à côté. Je pense au mieux. Ouais, c'est ça. on va quand même refaire un tour, voir s'il n'y a pas d'autres piliers cachés. Ouais, alors. Vous faites un tour plus prudent, on va dire, du secteur. En tapant les murs. Limite, hein, vous sondez, hein, vous faites analyser un peu le secteur. Je les tape tous au marteau. Les baraquements ont quelque chose qui sonne creux. Ah. Au niveau des baraquements, okay. Oui. Défonce le mur. Vous défoncez le mur qui est en fait une sorte de porte dissimulée. Hein. Il y a un couloir derrière. Ça correspond à vos plans. Ah. C'est une évacuation d'urgence qui mène à l'étage. D'accord. Il n'y a rien. C'est vide. Très bien. Est-ce que vous repartez? Non. On fait notre rapport à l'inquisiteur, peut-être. Oui, on fait le rapport à l'inquisiteur, non. Inquisiteur, il y avait encore un agent dans le réfectoire avec une chaîne et un pilier. Nous avons arraché la chaîne, nettoyé l'agent et détruit le pilier. Excellent. Devons-nous terminer d'inspecter tout le reste de la prison? Les lieux vont être détruits. Nous n'avions besoin que de la certitude de la destruction de l'artefact. Bien. Votre mission est terminée. Très bien, Sister. Je vous attends pour votre rapport. Bon bah, on part au drop pod. Vous retournez au drop pod. Sans aucun souci, aucune difficulté. Vous remontez à l'intérieur. Et vous êtes repropulsé vers le vaisseau. Vous quittez les lieux. Et alors que vous êtes à peine arrivé à l'intérieur du vaisseau, vous voyez au niveau du sol les traces des premières explosions liées à un bombardement orbital. Dans le doute, l'inquisiteur fait le ménage. Lorsque vous vous retrouvez sur le vaisseau, enfin, vous recevez cette dernière communication. L'empereur est content de vous. Nous repartons. Le vaisseau quitte les lieux, abandonnant pour longtemps sans doute la planète Secundus Sigma. Et vous dirigeant, en ce qui vous concerne, vers de nouveaux objectifs. Le tout, dans les champs religieux, et le vive l'empereur.